Et on se prépare pour la Montagnard 60. Donc juste avant la TDS, cet été, préparation, la dernière. La troisième édition de la Montagnard. Cette année, une petite nouveauté pour la 60 et la 40 km, c'est qu'on va vous faire passer par le Mont-Joli. Et vous allez commencer par ça, donc une petite montée de 1350 mètres. N'oubliez pas en haut de regarder parce que le paysage est magnifique. Il faudra vous retourner un petit peu pour voir le Mont-Blanc parce qu'il sera un peu dans votre dos. Et ensuite, vous pourrez bénéficier d'un superbe arrête jusqu'à l'aiguille croche. On se fait un décompte pour partir. Allez, dans 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Bon, 30 minutes pour cours, 400 des plus, 1 km 4. Et au point de sang, ça va, c'est quand même chaud. On a fait 3 km, il reste 60. C'est cool. Eh oui, ça monte. 470 plus. Allez. Il y a 10 600 de déplus, première montée. La calme. Zaravis, là-bas. On va au Mont Joli. 12 km. Il y a pour arriver au Mont Joli. Sur les crêtes là. Ouais, 6 km 52. Ça avance plutôt pas mal. 1100 de plus. Attends, moi ce paysage, truc de ouf. Putain, c'est sympa. Franchement, pour l'instant pas déçu. Le parcours des crêtes. Donc là on va là-haut là. Un bon petit 400 B+, 400-500 B+. Avec le monde en face. Tout couvert. Ça va quand même. On regrette pas. On a fait 3 heures de route. Et en plus, avoir dormi même pas 4h30. Voilà. Et bon, on a la patate ce matin, nickel. Voilà, puis en plus, merci Paulin. Hein. Franchement, nickel le logement. C'est quand même plus sympa d'aller chez un pote. Voilà.
2h06, je suis parti, toujours bien, donc toujours sur les crêtes, comme vous pouvez le voir. Allez, 12 km, 1600 D+. Le parcours est vraiment sympa, mais 2h30, on est parti à 7h, c'est-à-dire qu'il est 9h30. 9h30 déjà, le soleil on sent bien passer. Voilà, donc ça fait 3h40 que je suis parti. 21,88 km. Donc j'ai pas mal avancé. Mais le parcours est là, la descente. Ouais, c'est technique, hein. C'est technique. Voilà, on a hâte quand même. Arrivé au petit ravito, je crois qu'il est au 23ème. Ça va faire du bien parce que là, j'ai encore soif et je veux pas épuiser toute ma réserve d'eau restante. Merci. Ouais, ça y est, compte la mine. 3h54. 23,8 km. Ah, dans le petit ravito. Une bonne ambiance depuis le début. Merci. 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 Allez, un petit restauration là, hein. La mérité. Allez. 29,72 km. Ah, j'ai un coup de mieux tout à l'heure là dans la montée juste en bas là. Oh là, je sais pas, j'ai pris un coup de chaud, mais à 1800 d'altitude on est bien là, on est bien, et puis ça s'est couvert comme ils avaient prévu, donc tout de suite ça va mieux, parce qu'il devait bien faire 34 tout à l'heure, hein. Ouais, quasiment 30 bornes, donc la moitié du parcours. 5h22, donc mes pronostics. Bon, j'avais pronostiqué 15h, je pense que je serai un peu avant, je l'espère. Franchement, je suis très content d'être venu pour l'instant, c'est superbe. Allez, 2006, voilà ce que je vois, super. Sympa. Ouais. Allez, 33,5 km. 10h26. On est vite, ça fait plus ça. Ouais, je vous ai repris. J'ai perdu 3 quarts d'heure. C'est pas grave. 9h06 que je cours. Comme je disais, j'ai perdu 3 quarts d'heure pour aller chercher mes bâtons.
Voilà, avec du dénivelé et compagnie. Donc la joie de vivre quoi, enfin voilà.